Les femmes avec les visages qui ont des taches là, hein, comme les plumes de l'épervier là, tac, 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 un peu partout. Aujourd'hui, j'ai pincé un bouton, alors ça a laissé une grosse tache là. Venez prendre cette astuce, venez faire ce masque que j'ai fait ici là au curcuma. Et même les femmes qui ont les boutons qui ne finissent pas là. Il y a certaines personnes qui ont les visages qui ne sont pas du tout lisses, qui ne sont pas uniformes. Du genre, tu passes la main comme ça, tu sens, elle est rugueuse. On ne sait pas trop l'excès de sébum aussi. Vous allez me prendre le curcuma. Moi, le curcuma en poudre comme ceci, vous allez prendre même une bonne cuillère à soupe et mélanger avec un peu de lait. Ça, c'est le lait en liquide non sucré. Et vous allez mettre un peu de jus de citron. Vous savez, le curcuma, il est anti-inflammatoire, donc il va agir sur les boutons. Le lait, vraiment, il nettoie, il purifie, il lunifie le teint. Et même ce curcuma, quand vous venez avec votre petite touche de citron, par contre, il faut, quand vous mettez le citron, il faut utiliser ce masque seulement le soir, parce que le citron, si vous sortez tout de suite au niveau du soleil, ça va encore vous laisser les taches là au niveau du visage, ce que vous appelez souvent les mamies et autres là. Donc vous allez prendre ce masque, vous allez faire mélanger, que ça est vraiment, moi j'ai fait du genre mon curcuma, je l'ai râpé moi-même et séché et fait la poudre, donc ça a donné un peu des grains, et donc du coup ça me sert de masque et d'exfoliant en même temps. Quand vous avez fini d'appliquer sur ce visage, je lave d'abord le visage, j'aime pas les gens qui m'appliquent les choses sur les visages sales. Vous laissez poser 15 minutes, après 15 minutes vous lavez avec beaucoup d'eau. Quand je dis beaucoup d'eau, c'est que beaucoup d'eau, et protégez-vous quand vous faites le masque pour éviter que le curcuma ne colle sur votre vêtement. Après, quand vous avez fini de rincer, après 15 minutes vous hydratez juste votre visage. Vous pouvez faire ce masque une, deux, trois fois par semaine. Pour ceux-là qui ont vraiment beaucoup de boutons ou de, beaucoup de taches, moi je n'en ai pas beaucoup, donc du coup je peux faire une fois, je peux faire deux fois. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur cette page. Comme vous savez, ma première page a été piratée, elle a été supprimée. Du coup, on recommence à zéro. Ça va?